Bonjour et bienvenue. On a perdu nos jambes, maintenant on est un rase-moquette. Voilà. Alors bienvenue, je mettrai encore petite vidéo sur ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais j'ai perdu une journée. Car on a crafté ça. Et on a perdu une journée entière, tout simplement. Donc comme j'ai dit, c'est chiant. Comme j'ai dit, c'est très très chiant de faire des crafts comme ça. Et on a d'autres crafts qui arrivent et c'est extrêmement relou quand même. On a deux pantalons, ça va être 13 heures, en gros. 13 heures x 2. Donc ouais, c'est des journées qu'on perd et c'est un peu embêtant. 1, 2, 3. 4, 5. Ok, il nous en faut au moins une de plus. Il nous en faut au moins une. Non, pas là. Une de plus de peau. Donc on va chercher. Et sinon, il nous faut aussi plus de d'ours. Parce que je voudrais bien avoir déjà une peau d'ours qui sèche. Ça serait vraiment bien. On n'a plus trop d'eau. J'ai fait des flèches aussi. On en a 10. Et je pense qu'on va en garder 10. On n'a plus trop d'eau. On va en garder 10. Après, j'ai voulu, vous savez, rester en positif. Mais je pense que... Rester en positif, c'est pas encore trop ça. On n'a peut-être pas assez de viande, je crois. Donc on va voir ça un peu plus tard. On va pas aller là-bas, on s'en fout. Honnêtement, on a déjà vu. On va aller là-bas parce que je voudrais récupérer... chasser l'ours. Et on a ça aussi à aller vérifier. Donc le but de cet épisode, c'est surtout de chasser l'ours, tout simplement. C'est vraiment de chasser l'ours. On a un beau temps. Je crois qu'on peut utiliser la loupe si on a besoin. Mais bon, j'ai pas trop de bois de côté. Mais bon, comme j'ai dit, c'est l'ours. Il nous faut l'ours. Parce que c'est 12 jours. Donc on va faire ça dans cet épisode, ça avance bien. Ah oui, aussi une chose, je suis allé voir où connecte la nouvelle carte. Parce qu'en fait, la carte du territoire, la Far Territory, on peut pas la voir. On peut tout simplement pas la voir. Donc si on fait ça, on peut pas la voir. Et elle est sur le côté gauche, apparemment. Elle est après la voie ferrée détruite. Si je dis pas de bêtises et que j'ai bien regardé, elle est après la voie ferrée détruite. Et honnêtement, j'aime beaucoup cet endroit, la voie ferrée détruite. C'est pas très grand, mais l'endroit est cool. L'endroit est cool et je crois bien qu'il y a une forge aussi. Oui, il y a une forge, c'est une forge à l'intérieur en plus. Une forge protégée. Et il y a un endroit sympathique où il y a la forge en fait. Il y a. C'est une sorte de garage en fait. Et quand il y a l'aurore boréale, il y a plein de trucs qui s'allument et tout. C'est plutôt cool. Honnêtement, c'est un endroit sympa. C'est un endroit vraiment sympa. Donc on va y aller aussi. Il y a un truc que j'hésite. Je sais pas encore pour le moment. On sait ce qu'on avait vérifié celle-là, je crois. Hein. Il y a aussi, là-bas, il faudrait aller pour les bois. Aller couper des bois et les faire sécher. Il y a une chose, j'hésite à faire. Ouais, on l'a fait. J'hésite à faire, c'est... Oh, il y a un sac. Il y a un loup aussi. Aller à l'autoroute côtière. Alors, l'autoroute côtière est vachement bien. L'autoroute côtière est extrêmement bien. Pour tout ce qui est objets, ressources et tout. Mais j'avoue que c'est... Du coup, ça rallongerait le fait qu'on... Wow, trois loups déjà. Ah non, putain. Ok, trois loups. Il y a l'ours là-bas. Je viens de le voir. Ok. On a tué beaucoup des loups hein, quand même. On a tué 4 ou 5. Il y en a encore 3 sur la glace. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, beaucoup. Hein. J'avoue, il est ouf, il est là-bas. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est le combattre dans une des cabanes. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, parce qu'il est pas trop loin. Donc, on veut juste la peau, surtout. Hein. On veut juste la peau. C'est surtout ça. Comme j'ai dit,
Non, je voudrais bien le faire venir. D'abord. Parce que en fait ça fait loin. Ah, vas-y, viens, viens, rapproche-toi un peu. Alors c'est dangereux de les combattre dans cette petite cabane parce que... les glitchs. Tout simplement les glitchs. Donc faites gaffe. On avait fouillé, oui, on avait fouillé. Waouh, que j'ai bien tiré loin. Pleine tête. Waouh, ok. Ok, j'ai récupéré les deux flèches. Par contre, on a combien? Ouais, on en a, il nous en manque une. Ah, on a dû faire du critique sur la tête. Hein. On a dû faire, elle est là, la flèche. On a dû faire du critique sur la tête. Ah, l'arc est très puissant pour les critiques. Hein. Je crois que... Comment ça marche? C'est que le fusil fait plus de dégâts. On va dire au niveau 1, je parle. On va pas dire quand c'est augmenté, tout ça. Mais je crois que l'arc a plus de chances de faire du gros critique. Fait un peu froid, mais... 27 minutes, ou alors 36. Allez, on va faire un peu à la main. Ça nous économisera le couteau. Ok. Le reste, on s'en fout, on rentre. C'est parti, on rentre. On a la peau, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait, c'est la peau. mais ouais, je suis en train de débattre avec moi-même si on fait l'autoroute côtière ou pas. Parce qu'à la limite, je voudrais bien aussi aller récupérer le sac spécial pour ceux qui connaissent. Ça va nous augmenter nos kilos qu'on peut transporter. Je voudrais bien récupérer les crampons, les vrais crampons. Peut-être que c'est mieux. Je sais pas, peut-être qu'ils ont les mêmes stats en fait, j'en sais rien au final. Mais il y a ça, mais le sac. Le gilet pare-balles, il sert à rien, honnêtement, pour notre jeu, notre type de jeu. Il est très lourd en plus. Il sert à rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il nous faudrait le sac. Surtout. C'est pas à l'autoroute côtière, hein, c'est au H Canyon, là, le canyon des cendres. À la limite, on peut... Si on a de l'équipement, parce que là, honnêtement, on devrait avoir de l'équipement. Mais bon, le problème, c'est que ça va prendre quand même quelques jours, comme j'ai dit, à faire sécher les peaux. Encore une fois, donc peut-être... Genre, je voudrais bien faire les équipements des ours. Comme ça, on sera bien équipé. On aura bien chaud. Et à la limite, pour faire ça, on peut peut-être partir... parce que c'est 12 jours. On peut peut-être partir à l'autoroute. Comme ça, on se balade là-bas hein, pendant un moment. Et après, on rentre. On revient ici. Et on craft ce qu'il nous faut. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de rester ici pendant 12 jours qui sert à rien. Parce que ouais, c'est 12 jours. Lui, il est à peine à 19%, donc il doit rester encore une dizaine de jours. On a combien de loups? 1, 2, 3, 4. On peut faire un manteau de loup aussi. Il nous faut... Ouais, il nous faut quand même une... un cerf en plus. Il y a deux flèches qui ont été abîmées. Trois flèches qui ont été abîmées. On a ça qui sèche. On peut faire des fûts de flèches. Faudrait que je me réchauffe. Est-ce que je peux faire un truc pour nous réchauffer vite fait? Ça, 15 minutes. Parce que dans un sens, je suis d'accord, hein, je suis comme vous, hein, j'ai envie de voir la nouvelle zone.
Je vais être honnête, hein. Je l'ai déjà expliqué un peu. J'ai vraiment envie de voir la nouvelle zone, mais la nouvelle zone, il n'y a que la nouvelle zone, honnêtement. Les équipements supplémentaires, on va pas les avoir, nous. Genre le nouveau fusil, on va pas l'avoir, sûrement. Le nouvel arc, on va pas l'avoir, sûrement. Vous voyez? Et la nouvelle zone, il n'y a pas grand-chose, c'est juste une nouvelle zone, à la limite. Genre si on prend Blackrock, on compare avec Blackrock, il y avait le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles, tout le monde peut l'avoir dans n'importe quelle difficulté. Mais nous, en fait, tout ce qui est nouveau, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir du tout. Si je dis pas de bêtises. À moins qu'il y ait encore des bugs. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pas trop envie de... Oh, putain, le vent. J'ai pas trop envie de rusher la zone parce qu'elle va peut-être pas être très très intéressante au final. Ah, c'est quoi ce vent? Pourquoi là-bas? Sans déconner. Allez, force, force, force. Genre, baisse la tête et fais l'avion et tu... Non, cours comme Naruto. Cours comme Naruto, c'est aérodynamique. Rivière accès sud. Alors je sais qu'il y a une corde aussi à prendre. Je sais plus vraiment si c'est vraiment utile. On verra. Alors, faut faire attention ici. Bon, on va avoir froid, mais bon. J'entends des bruits de... Genre des trucs qui mangent, des hamsters, on dirait. Peut-être des lapins, mais je les vois pas. Marrant, il y a zéro lapin. Oh, merde. Zéro lapin. C'est bête parce que ici c'était un très très bon endroit pour les lapins. C'est un super endroit. Bon, ben voilà. On a notre pot, on rentre. Faudrait qu'on... Ah tiens, quand on est protégé du vent, on n'a pas froid. Mais bon. C'est un peu dur de se protéger du vent sur la glace. Bon ben voilà, il reste plus qu'à attendre maintenant. En résumé, on a deux pantalons qui sont en attente. Donc on a deux pantalons en peau de cerf qui sont en attente. On a un manteau en peau de loup qui est en attente. En attente, ça veut dire... Genre, les peaux, elles sont en train de sécher. Et on a deux vêtements d'ours aussi qui sont en attente. Ou alors, un vêtement, enfin, un manteau et un sac de couchage. Je pense que le sac de couchage, je vais pas le faire. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Je vais d'abord faire les manteaux. On verra. Bon, on peut encore un peu explorer. Il fait froid, il fait chaud. Très bien.
va se mettre là. Hop, boum. On a encore 5. Nickel. Ça fait beaucoup de flèches. Hein. C'est beaucoup de flèches. On est un peu lourd. C'est pourquoi ? C'est parce que je suis mouillé, c'est ça ? Non, même pas. Après, je sais que j'ai beaucoup de torches. Je sais, je sais. Je les ai mis où les massettes ? Je les ai mis là. Très bien. On va monter maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va à la grotte là-haut, parce que je voudrais la montrer. Comme ça, si jamais pendant mes crafts, là, qui durent une éternité, si jamais j'ai le mal de l'enfermement, je peux aller dormir là-bas et... genre, et je le découvre pas hors vidéo, vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, on fait vraiment toute la découverte ensemble. À une époque, je prenais une bombe de peinture, là, et je marquais des flèches. Mais honnêtement... c'est presque une perte de temps. Donc, et honnêtement, les bombes de peinture sont très très lourdes. Il y a plein de petites choses comme ça qui devraient changer. Genre le poids des bombes de peinture, genre 0,50, c'est énorme. Vous voyez, c'est pas extrêmement utile. Genre par exemple, vous prenez la lampe tempête. Elle est très lourde. Elle fait dans les 2 kilos si elle est pleine, je crois bien. Mais ça, c'est vachement bien. C'est vachement utile. Donc ça, ça vaut le coup. Mais ouais... Il y a plein de petites choses comme ça, ils devraient changer en fait. Je trouve. Parce qu'en pratique, c'est pas utile. Genre faire l'abri pour les pierres aussi, récupérer 50 pierres, honnêtement, c'est pas mon kiff. Hein. Vraiment pas mon truc hein, de récupérer 50 pierres. Oh putain, m'a fait peur cette conne. Oh la vache. Putain de jumpscare quoi. Ah là là, la conne, quoi. Je peux voir les vêtements. J'ai eu des vêtements. Il y a ça, il faudrait que je le recouse. Enfin, après, on n'a pas vraiment besoin, je pense. Par contre, on s'est tordu la cheville. De récupération de 4 heures. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser un bandage? Je me rappelle plus s'il faut utiliser un bandage. Je crois. Enfin, de toute façon, les bandages, c'est pas ce qui manque. Voilà. On a la douleur. Il faut juste attendre ou alors prêter. Mais nous, on va juste attendre. C'est pas vraiment grave. Vous avez vu un peu ce chasseur. Par contre, oui, ça croit là. Je crois que ça doit être un cerf, sûrement. On va voir. Ouais, c'est un cerf. Est-ce qu'on peut dessiner ou pas? Ouais. Là, c'est pas mal, on est en hauteur. Ouais, j'avais dit qu'il y avait un truc d'escalade. Alors... Là, par contre, on peut prendre la viande, c'est pas très loin et on n'a pas froid. Donc, on peut. Avec la scie, parce que c'est gelé. Et à la limite, peut-être les boyaux aussi. J'ai envie de dire. Là, c'est tout prêt et on n'a pas froid. Autant en profiter. Waouh! Silent Hill! Silent Hill. On va regarder la grotte. Vous voyez, c'est pas mal d'aller dormir ici, en fait. Si vous avez le mal de l'enfermement. Plutôt cool.
Bonjour. Oh mon dieu, tous ces livres. Ah, une photo instantanée, ça tue. Le garde m'a fait visiter une vieille tour de guet forestière à côté du lac Visser. Ah non, c'est la tour où on était. Je n'ai pas voulu rester trop longtemps, la nuit le vent fait un sacré bruit. Ouais, c'est la tour où on est. Merde. Alors, ça... ça... Honnêtement, on trouve énormément de livres, je trouve, comparé à avant. Oh non, il faut une clé. Ouais. On trouve énormément de livres, je remarque. Alors, on fait voir un peu. Bah, en fait, il fait chaud, donc on n'a pas besoin de faire une pause ici. Hein. Pas du tout. Par contre, on a un gros brouillard bien épais, parce que je voulais aller à la tour direct, s'il ne fait pas froid. Mais on a un super brouillard, donc du coup, on peut rien faire. On peut strictement rien faire. C'est un peu embêtant. Je sais pas s'il y a des choses, là, je crois pas. On va descendre, on va rentrer. On a la peau et les boyaux à lâcher. Oui, on... Ouais, c'est pas mal hein, cet endroit, hein. Vraiment cool. Ou alors sinon vous faites un igloo à côté de la maison, mais bon. Le truc c'est qu'avec l'igloo, vous êtes... vous pouvez faire un feu à côté. Mais il n'y a pas vraiment d'encoche en fait, j'ai envie de dire. Pour protéger le feu. Il n'y a que un mur de maison, mais bon, ça va protéger un point cardinal et c'est tout quoi, pas les quatre. Alors que là, dans la grotte, vous êtes tranquille. Dans la grotte, vous êtes vraiment pépère, tranquille. C'est vrai que les corbeaux ils sont à côté. Ah oui, mais non, oui, mais c'est le loup. C'est pour ça qu'il y a les corbeaux là. Ouais. Là on voit strictement rien, c'est fou quoi. Ah, on peut peut-être aller récupérer du bois. Vite fait. On a ça. Non. Elle est où la nourriture, elle? Très bien. Bah, c'est super tranquille, là. Hein. J'avoue que là... super peaceful quoi. Donc deux livres pour la chasse. Est-ce qu'on met 5 heures? 5 heures. Eh, j'avoue que c'est pas mal hein. Ah, il y avait un truc que j'hésitais, je crois que j'en ai parlé. Genre les livres donnent 25% de... Attends, on a 3 livres de cuivre. Débile. 25% d'expérience supplémentaire quand vous lisez les livres. Je crois que c'est ça. Et j'avoue, j'avais hésité à prendre ça. Ou alors les buffs des boissons. Mais dans ma tête, je me dis, ah, les livres, ça va, on en trouve très rarement. Et puis, honnêtement, la plupart du temps, c'est jamais les livres qu'il nous faut. Mais là, j'avoue qu'on a vraiment les livres qu'il nous faut, quoi. On a plein de cuisine. On a plein... plein de cuisine, plein de chasse. C'est un peu débile, quoi, honnêtement. Enfin, en intrus, c'est vraiment trop. On a possiblement une trentaine d'heures de livres, en fait.
possiblement une bonne trentaine d'heures de livres. Alors, je dois juste récupérer un peu de bois. Puis après, on passe la nuit. Bon, on a fait beaucoup, hein. On a récupéré la peau de l'ours, on a récupéré de la viande, deux pots de cerf. Polaroid. C'est assez impressionnant. Non, très peu de temps, là, très rapidement. On a bien bossé, là. Ah, ça y est, il commence à faire froid. Ok, très bien. Okay, on a plus de douleur. Waouh, c'est nuit et il y a toujours le brouillard. Ah ouais, non, c'est... Là, mais jamais vous sortez, hein. Si vous connaissez pas la zone. Et même si vous connaissez la zone, honnêtement, il y a plusieurs fois où je me suis perdu, même en connaissant la zone. Il y a un corbeau là-bas. Attendez. On n'arrive pas à les repérer, hein. Très bizarre. Le son est... J'ai l'impression que le son est moins bien qu'avant. J'ai du mal à repérer d'où viennent les sons. Ok, allez, on rentre. Ouh. Non. Non, non, tu drops que dalle, on rentre. J'aime bien le... Comme ça, là, le décor, là. Avec brouillard et lumineux en même temps. Ça fait la... Ça forme la silhouette, en fait, des arbres, des montagnes et tout. C'est très joli. Encore un peu d'eau et tout, je pense qu'on peut dormir directement. Passer la nuit. Pas besoin de... Pas besoin de faire du feu encore. Alors, où est-ce qu'on peut aller après? Ah, on peut retourner vers le lac. Après notre nuit. Ouais, on peut retourner vers notre vers le lac. Ah oui, j'avais un steak là, il a 960 celui-là. C'est sûrement un des derniers qu'on avait fait. Alors, on va rien voir à l'intérieur. Ah putain, c'est chiant. C'est un peu chiant. L'intérieur, c'est une catastrophe quand même. Ça reste... Les intérieurs restent une catastrophe quand même. On va poser la viande et on est bon. Alors, déplace-toi dans le noir, trouve le lit et dors. Ah, il faut que je dépose le bois, j'ai oublié. Là, on a de l'eau potable aussi que j'ai pas fini. Mais j'ai des pastilles à la limite. On peut faire ça, on peut les purifier. Voilà.
laquelle on arrive à bien maintenir notre vie. Honnêtement, je me débrouille extrêmement bien pour maintenir notre vie. Oh. Ok, c'est là le bois qu'on avait mis. Alors, feu, 7 bois, c'est pas mal. Ça, on a 14 têtes, 4 fagotins. Ah oui, il y a des trucs à jeter. Je crois que les baskets, on peut en faire du cuir, celle-là. De cuir pour une heure. C'est vachement bien. Très bien. On va ranger ça. Ah ouais, non, la vie, je me débrouille extrêmement bien là pour cette fois. Un petit pet. Oui, je sais, je sais. Je sais, mais bon, c'est comme ça. Nickel, on est quasiment à 5 kilos. Alors, peut-être voir. Un, non, non, non. Un, deux. C'est 3 minimum, je crois bien. Fais voir, c'est 3 minimum. 3 fourrures de cerf séchées, 3. Et après, c'est 4 boyaux. Les boyaux, je pense qu'on en a. Quoique, peut-être même pas, en fait. Peut-être même pas 4. Ouais, il va nous falloir encore quelques jours. Qu'est-ce que c'est chiant de placer les choses. Aïe, 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 aïe. Ça, ça reste vraiment un problème. Comme j'ai dit, la customisation, s'ils nous mettent des sortes de râteliers, j'en sais rien, pour pendre les pots. Oh, qu'est-ce que ça va être bien. Oh, oh là là, qu'est-ce que ça va être cool. Mais bon. Pas rêvé. Alors on a des yes. On va faire la tour, on va faire le lac. Que tous les corps sont partis ou pas. Ouais. Tout a disparu. Et peut-être que le prochain épisode, je ferai... Ouais, il commence à faire très froid là-bas. Je ferai encore une ellipse pour faire un pantalon au moins. Si on arrive à 3 jours. 3 jours, qu'est-ce que je fais ? Si on arrive à 3 pots là. Mais vous avez vu, maintenant on commence à avoir froid. Hein. C'est un peu le problème. J'ai vraiment l'impression qu'on commence à être en retard, en fait. Par rapport à notre avancée, le temps. Le temps devient de plus en plus problématique. Alors, on va d'abord faire la tour. Ah non, il y a une tempête. Aïe. Une tempête. Alors du coup, on va faire juste la tour et on rentre et on va faire du feu. Si vraiment il fait très froid. On va faire le Polaroid. Ah oui, on a la tour là-bas aussi. Ah, j'avais complètement zappé là. L'autre tour. Ah, j'avais complètement zappé. Ouais.
Je l'ai sur place. Par contre, c'était où? Je regarde le Polaroid. Oh, attendez. On va rentrer, mais je crois que je vais pas avoir chaud. Ah, point de vue, c'est bon. Ok. Hop là. Ah, pas mal, pas mal. Ah oui, il y a les mobilhomes aussi, là. J'avais oublié. Yes, 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 yes. Du coup, on peut faire les mobilhomes. Je sais plus exactement où ils sont. Ils sont de ce côté ou pas, hein? Je sais plus. Je crois que oui. Quoi ce bruit? Ah non, ça va être trop dangereux. Oh merde. Non, non, ne dis pas que... Oh non, je suis bloqué. Bon, par contre, je voudrais bien me mettre à l'abri. Là-bas, il y a la tour. Ouais, là-bas, il y a la tour, donc les mobilhommes doivent être là. C'est quoi ça? Ok. Mais je suis pas fou, on dirait qu'il y a ça. Ça mordit, non? Le bruit de quelque chose qui mordit quelque chose. Ah, ils sont pas là, les mobilhommes. Ils doivent être derrière. Enfin, je crois. Ouais, non, non, ils sont plus loin. Ah, non, ils sont plus loin. Je me rappelle. Yes. Ok. Là, il y a plein de bois. Enfin, pas de bois, mais de troncs. De souches. Donc, on va peut-être pouvoir trouver pas mal de... champignons. Peut-être. Nickel. Faut qu'on se réchauffe un peu, parce que là, c'est la merde. Ok, très bien. Plus dans laine épée. Plus dans laine épée. Fais voir un peu. Dans le meilleur état. Très bien. Pas grand chose. Hein. Boîte vide encore? Ah bah oui. Toujours boîte vide. Il ouais, y a vraiment pas grand chose. Par contre, on n'a pas de nourriture, donc on peut pas rester là. Il faut absolument qu'on rentre. Ou alors on chasse et on... Après, il faut faire un feu et il faut cuire la viande. Non, c'est juste des corbeaux qui passent. Je pensais qu'il y avait un cadavre pas loin, mais... Alors...
Aha! Ça. I think I can use this. Ah oui, ça tu peux l'utiliser, ça c'est de l'or honnêtement, ça vaut de l'or hein, pour nous. Permet de déguiser notre couteau, aiguiser la hache, et ça vaut de l'or, tout simplement. Vraiment très très utile. Après, je vais voir si on peut pas faire le plein de champignons et de baies aussi. Champignons surtout. Les baies, c'est un peu plus rare, mais ouais, champignons. Ah, tiens, on va le prendre. On pourra faire des bombes. Ça sert un peu à rien. Mais... On peut voir s'il y a rien autour. Non. Ça a l'air tranquille, il n'y a pas l'air d'avoir de loup ou rien du tout. C'est bien cet endroit. Le lac Mystère est tranquille. Le lac Mystère est peut-être dangereux en fait si vous connaissez pas la zone. C'est ça le problème avec le lac Mystère. Parce qu'il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup d'arbres. Beaucoup de montagnes quand même. Des petites collines et tout ça qui vont complètement en fait cacher les endroits intéressants. Les endroits clés. Et si vous connaissez pas... des fois vous allez vous retrouver en fait bloqué genre dans une tempête et des trucs comme ça. Alors vous avez un mobilhome juste à côté mais vous le voyez pas parce que voilà le terrain en fait. Vous voyez hein, ça cache à chaque fois. Et ça peut être mortel quoi. Ça peut vraiment être mortel. Jesus, it's cold. Donc c'est le seul bémol d'ici. Alors est-ce que ça vaut le coup de continuer par là? Jeune érable, on s'en fout un peu. Oh mon dieu, toutes les massettes ici. Oh, oh yo yo. Ah, ça donne envie. Hein. Ah, vous voulez manger des massettes? Allez-y. Hein. On va aller de l'autre côté. On va voir si on peut pas se faire le cerf. Un peu froid, c'est embêtant. On va trembler en fait. Y a rien qui se cache entre les arbres. Non. Oui, bah au final, ce que j'ai dit sur les champignons, bah c'est des conneries. Y a rien. Strictement rien. Je récupère du bois parce qu'on va peut-être faire du feu à côté du cerf si on arrive à le tuer. Je vais voir un peu comment elle tremble. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Merde, putain, il me voit de loin quand même. Monte. Mais sans déconner, monte. Merci. Là-bas, il y a quoi? Elle est là, la tour. On va peut-être rentrer, en fait.
Ouais, on va peut-être rentrer. Parce que je fais pas confiance au temps, en fait. Puis là, je tremble. Je risque de perdre une flèche. J'ai pas envie de commencer à perdre des flèches. Puis c'est un peu le... Le truc, c'est que si on le tue pas en une flèche dans la tête, on va devoir lui courir après. Ça va être la galère. Non, non, non. On va juste rentrer. Parce qu'en plus, on a quand même vachement froid. Et j'ai pas mal de bois maintenant. J'aimerais bien aller là-bas, mais... Ouais, non. Non, mais je suis à 30. Non, 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 non. J'ai trop de choses sur moi. On ira après. C'est le problème, c'est que... Je peux toujours me délester de choses. C'est pas vraiment ça le problème. Mais déjà, de prendre la corde, ça va nous fatiguer encore plus. De 1. Donc je vais pas pouvoir porter très lourd. Beaucoup de choses. Et de 2, il y a des corbeaux. Donc ça veut dire qu'il y a un cadavre sûrement. Une carcasse. Donc ça veut dire potentiellement des choses à récupérer. Donc on va se... On va se charger encore, elle va être fatiguée, elle va pouvoir transporter peut-être 28 kilos au maximum. Enfin voilà, ça va être embêtant. Donc non, on se casse. On fera ça la prochaine fois. Alors, on va faire un feu. On va faire un feu et on va finir notre épisode sur le feu. Je pense. Parce qu'on est un peu fatigué, parce que j'ai fait que sprinter, honnêtement. J'avoue que le badge de récupérer l'endurance, ça marche bien. Je suis content de ça. Donc je regrette pas, mais... Bah, après, j'aime bien parler du fait que, oui, pour les livres, ça aurait pu être cool et tout ça, mais j'avoue que je regrette pas le choix de mes badges. donc ouais, on va finir sur un petit feu pour pas qu'elle se fatigue trop. Parce que c'est en la moitié du... J'entends des trucs, mais je sais pas. C'est la mi-journée et on n'est pas... Et on est un peu fatigué, donc on va plus se... On va tout simplement faire un feu et rester tranquille à la maison. On pourrait faire un feu à l'extérieur. Non. Ah non, non, je pense pas avec ce temps-là. Un truc qu'on peut faire, c'est allumer un feu à l'extérieur. Prendre une torche et allumer le feu à l'intérieur. Ça aussi, c'est très très bien de faire ça. Ça permet d'économiser les allumettes. Ah oui, non, là on peut, là par contre. Merci pour les plumes, hein, sale radin. Il y a un feu qu'on peut faire, c'est là. Ça protège pas mal. Bon, il y a la boîte, c'est relou, mais... Ouais, 75. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je me rappelle que dans notre saison, peut-être 5 ou 7, j'en avais parlé, le bug où il n'y avait pas de plumes. Ça aussi, ils ont mis un peu de temps à le corriger. Nous, on avait fait déjà quelques zones, on galérait pour trouver des plumes. C'était... Pour faire les flèches, c'était une autre catastrophe. C'était une belle catastrophe pour faire des flèches. On va prendre des faitous. Pourquoi je suis aussi lourd? Je vois. Je me rappelle plus ce que j'ai récupéré. Bah rien de spécial en fait. Je sais qu'on a de l'eau impure, mais on a du... On a ça. On a 4 et on a 4 litres. Donc ça va. Je
Je vais déjà déposer les viandes et tout ça. On va faire cuire. Ça inspire pas confiance, hein, les nouveaux icônes de viande, là. Genre moisi et tout ça, là. Ça inspire vraiment pas confiance. Je fais un feu à l'extérieur pour éviter de rester trop à l'intérieur. Ah, attends. Pas plus vite comme ça. Pardon. Je peux pas mettre la viande. Ouais, non. C'est bien, ça va vite maintenant. J'avoue que ça va assez vite. Donc nous, on était en train d'utiliser ça. Ah oui, ce qu'on peut faire, c'est ça. Genre... Hop. Normalement, je fais l'inverse, je garde le feu, le gros feu à l'intérieur. Et après, je fais des feux à l'extérieur, en fait. Je fais des allers-retours. C'est comme ça que j'augmente mon feu, en fait. Je fais ça. Hop, hop. Mais bon, j'ai pas de... Comme ça, hop. C'est un peu chiant parce qu'à chaque fois il faut resélectionner les bonnes choses. Bon, on peut faire un feu, le laisser mourir. On continue à faire cuire nos conneries, tout ça, tout va bien. On reprend une torche, on re-rentre, on refait un feu, etc. etc. Ça permet de monter en niveau. Hop là, voilà. Et après, bien sûr, on peut lire aussi des livres. Bon. Comme j'ai dit, les livres en intrus, c'est un peu une perte de temps. C'est un peu une perte. Par contre, j'ai perdu beaucoup de vie là. On a vraiment beaucoup, beaucoup marché dans le. Dans le. Le vent. Vous voyez, parce que, en fait, lire des livres, il y a toujours autre chose à faire en fait. On est dans une heure. Ok, parfait. Il y a toujours autre chose à faire. C'est pas. C'est pas possible de rien avoir à faire en fait. Là, du coup, on peut faire ça. Attendez, on va faire comme ça. Hop. On rentre. Pareil. Est-ce que là, il a été soufflé ou pas? Oui, il a été soufflé. Hop, hop. Alors le truc c'est que ça utilise une brindille à chaque fois et ça utilise un feu, un petit bois aussi pour faire le feu. Mais bon après quand on sera au niveau 3 on n'a plus besoin des petits bois donc ça va se corriger au fur et à mesure qu'on augmente. Mais voilà c'est vachement bien comme ça de faire ça. Hop là, voilà, encore de l'expérience. Très bien, on va poser un peu d'eau parce que j'en ai beaucoup. Et une fois, j'ai fait ça pendant une petite heure. Et en théorie, vous devriez bien augmenter en niveau sans trop perdre de ressources, en fait. C'est ça le truc, c'est que vous perdez pas énormément de ressources à faire comme ça. Et le truc, c'est que si vous avez beaucoup de torches, vous pouvez les démanteler, tout simplement. Et ça vous fait un... Qu'est-ce que je cherche, moi? Non, rien. Et ça vous fait... un bois, donc vous en récupérez aussi, donc c'est vraiment cool. 13 minutes, 7 minutes, on va remettre du bois. On va faire voir un peu les niveaux qu'on a. Allumage de feu, on est que là. Après, je pense que ça va plus vite avec...
Bien sûr avec les livres, hein, mais bon. On va le refaire. Après, c'est pas... c'est pas le gameplay le plus excitant au monde, hein, de faire ça. Mais et comme j'ai dit, c'est pas mal. Bah, attendez, on va regarder. On est allume-feu, on est là. Voilà. Ouais, on est là, mais... Faut s'en rappeler, quoi. Faudrait mettre un post-it sur l'écran. Faut mettre un post-it sur l'écran. Come on, little fire. Si on lit tous les livres, par contre, je pense qu'on peut être niveau 3 assez facilement. Et on n'aura plus besoin de petits bois. J'ai bien envie de faire ça aussi. Parce que on a un, c'est vrai qu'on a un peu de viande... Eh merde. On a un peu de viande de côté. Donc ça va. Ça va, ça va. On peut peut-être, entre parenthèses, perdre du temps à lire. On peut. Je pense qu'on peut le faire. Ouais, très bien. Perfect. Ouais, ça se voit pas des masses. Par contre, le livre... On va voir si on fait ça. Ouais, non, on voit pas, en fait. Ah, mais non, mais c'est de la cuisine, pardon. Cuisine, nature... On n'a pas feu ? Si, on a feu. On gagnerait ça. C'est marrant, pourquoi la cuisine, il nous le montre pas ? Pourquoi il nous montre pas la barre, et là, il nous montre... Ah mais je les ai pris en fait. Je savais pas que ça les ramassait. Et merde. Et pourquoi là ça nous le montre? Ça aussi c'est un bug j'imagine. Ça j'imagine que c'est un bug aussi. Mais ouais, je dirais pas non à avoir le feu niveau 3 pour éviter de se trimballer des petits bois. Donc ça, c'est les petits steaks que j'avais découpés, 0,50. C'est vraiment pour augmenter notre niveau et rien d'autre. Parce qu'on peut pas encore vraiment manger ça. C'était encore une fois épisode honnêtement très bon. Récupérer une peau d'ours, des peaux de cerf, des boyaux de la viande, le polaroïde. Nickel, nickel j'ai envie de dire. Vraiment encore du très bon. Encore une fois du très très bon. Après je le fais à l'intérieur le feu mais je peux en faire un à l'extérieur, hein, côte à côte. Hein. Comme ça nous évite de faire des va-et-vient à l'intérieur. Hein.
pas mettre cette phrase hors contexte. Merci. Ah, mais ouais, la prochaine fois, je crois que... Faut que je regarde à combien de pourcents c'est la troisième peau. Oh, yeah. That's très bien, donc on a... Fait voir, on recommence. Alors déjà, les peaux de loup, bon, c'est pas encore ça. Ça, c'est 28% l'ours. Alors, 1, 2... 74% à peine, là, putain. Ouais, ah, c'est pas encore maintenant. Pas maintenant. Vraiment pas maintenant. I wonder if I can drop any of this gear. Bon, c'est fatigué, mais on a. Il reste encore une bonne partie de la journée, honnêtement. Ça là. Ouais, 45 minutes. On peut encore se balader. Fais voir la cuisine. Est-ce que ça vaut le coup de... Tire à l'arc, on est niveau 2. On fait de l'eau. 48 minutes, très bien. Là aussi, l'eau est influencée par notre niveau de cuisine, je suis quasiment certain. Quasiment certain que c'est influencé par notre niveau de cuisine. C'est vrai que je mange, parce que là mes HP sont trop bas. Je voudrais quand même rester assez haut. Donc on va manger. Ouais. J'ai perdu trop de vie. J'ai perdu un tout petit peu trop de vie. Donc je vais voir où on fait un autre épisode et tout, et on va drouiller un peu. Mais honnêtement, je pense qu'on a... Enfin, quoi que si, il y a encore des endroits. Il y a le lac que je voudrais finir. Genre, est-ce qu'on peut le voir sur la carte? Ah oui, il y a ça aussi. Non, mais non, la nouvelle grotte, c'est juste pour nous montrer où il y a la grotte. Il y a ici à faire. Après, le reste, honnêtement, on l'a fait. Bon, bien sûr, il y a la tour ici, mais bon, c'est pas vraiment super excitant. On a fait le barrage, on a fait beaucoup de choses déjà au lac Mystère. On pourrait même changer de zone. Honnêtement, on pourrait changer de zone. Je vais être honnête. On pourrait complètement changer de zone, déjà. Peut-être qu'on pourrait partir au lac... l'autoroute côtière, à la limite. Je vais peut-être faire passer quelques nuits. On fait un pantalon et après on va à l'autoroute côtière. Comme ça, le temps de qu'on revienne, on aura peut-être les peaux, enfin les peaux dessert. Bon, ça sera sûrement sec, mais on aura surtout les ours. Et ça nous fait visiter d'autres endroits. Je pense que c'est un bon plan. Ou alors, comme j'ai dit, on va à la nouvelle zone, mais bon, je voudrais être un peu mieux préparé en fait pour la nouvelle zone. Ouais, je voudrais quand même être un tout petit peu mieux préparé. On verra. Mais ouais, je pense qu'on va partir la prochaine fois. Je farme un peu et on part.
Pour aller à l'autoroute côtière, c'est pas très difficile, je vais vous montrer. De mémoire. Il y a une zone à franchir avant. Ah, très bien. 22 minutes, très bien. I'm not sure I can carry much more. Après, ce qu'on veut quand on va dans des nouvelles zones, honnêtement, nous, il n'y a pas grand chose hein, qu'on veut. C'est surtout des pierres à aiguiser, à la limite. C'est vraiment le top pour nous. Après, il n'y a pas grand chose hein, qu'on cherche. Que les vêtements, on va tous se les crafter. Comme j'ai dit, il y a surtout les objets uniques qui nous intéressent. Nouveaux objets uniques, si on peut en avoir quelques-uns. Vraiment ça quoi qui m'intéresse. C'est tout le reste on peut le faire nous-mêmes. Dans 12 minutes. Ah yes. On a 3. Bah tenez. Alors là. Attendez. Je vais le mettre là, parce que j'ai mis la touche auto-walk, là, à côté de la carte, donc c'est un peu dangereux. Alors, nous, on est donc là, ici. Donc, vous prenez le barrage qui est là, il faut prendre cette zone-là. Donc, du coup, le lac Misère, ça nous donne le ravin. Le ravin. Et après, on arrive à l'autoroute côtière. On arrive en haut à gauche de l'autoroute côtière. C'est un peu la merde, honnêtement, l'arrivée. Mais après, on descend, et puis on arrivera à l'autoroute côtière. Pas l'autoroute Vétuse, mais l'autoroute côtière. Bah, en fait, c'est cette partie-là, je crois. L'autoroute côtière, en fait. Même la carte, elle est mal faite, en fait. Ou alors, c'est ça, plutôt. C'est ça, en fait. L'autoroute Vétuse, c'est plus là. Pour aller au site de désolation. Nous, côtière, c'est là. Enfin, bref. Du coup, on passe le ravin. C'est rapide, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop de choses à faire. Autoroute côtière, on arrive en haut de l'autoroute côtière, on descend vers le lac gelé, enfin la mer gelée, puis on est bon. Et une seconde, il faut que je fasse une pause, je reviens. Et on est de retour, j'aime pas vraiment faire des pauses genre à la fin, mais j'étais obligé. Alors ça, ah non, ça vaut pas le coup. Alors fin dans 44 minutes. Une heure. Voilà. Ça devrait être bon. Je pense qu'on va dormir maintenant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je lis le livre, il faudrait... Si je lis le livre, en fait, il faut le finir pour avoir les points. Donc ça, c'est un peu embêtant. Faut que je passe les 5 heures, en fait, à lire. Donc c'est pas vraiment un truc... Ça aussi, ça serait bien que... Il fasse en sorte que une heure en fait vous donne déjà de l'expérience. Ça serait vraiment cool. Ah mais ouais. Come on, little fire. Come on. Ouais, gueule sur le feu, ça marche. Oh, yeah. Ok. Si je fais le livre. Ah, ouais. Je sais pas si ça vaut le coup, on verra.
ça aussi à faire. On avait découvert ça aussi, très bien. En plus, il y en a encore d'autres partout. On a beaucoup de pierres à aiguiser, de nécessaires de couture aussi. Hein. Je vais être honnête, ça va. Quoi. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. On va en jeter plus, parce que de toute façon, on va récupérer 4 litres à l'extérieur. Voilà, nickel. On a des lampes, on a du combustible. Je suis en train encore de réfléchir si... si on part pour la nouvelle zone ou pas, en fait. Après, la prochaine fois. Ou alors, on va sur l'autoroute. On peut aller faire des flèches. On peut aller faire une flèche. Ça nous fera une flèche et ça nous fera de l'expérience. Très bien. Huit, neuf, dix, onze. On va poser une. Poser ça. Getting a bit thirsty. Et les plumes. Excusez-moi. Les plumes. Très bien. On va récupérer notre eau et on va dormir. Voilà, très bien. Eau potable. Eau potable. Voilà. On a combien de calories? 640. Voilà. Et voilà, on a bien bossé. On a bien bossé. Moi, ce que je vais faire, on va dormir directement. Et ce que je vais faire, donc je vais un peu farmer le temps de qu'on ait la dernière peau de serre en fait finie. Comme ça, on va se faire donc, un pantalon au moins. Un pantalon, c'est bien. J'ai bien envie d'aller voir la nouvelle zone. Du coup, il faudrait passer par Muskegmorn et après la voie ferrée détruite. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça à poser aussi. Par contre, pour trouver le tiroir. Ah, c'est bon. Alors, on va peut-être faire la nouvelle zone. Enfin, ça sera la nouvelle zone en plus, pas directement. Parce que comme j'ai dit, du coup, il faut passer... Bon, Muskegmorn, ça va, on le trace. Il n'y a pas de problème. Par contre, la voie ferrée détruite, on va peut-être... parce que je sais pas, en fait, dans quel endroit c'est la voie ferrée. Faut que je vérifie déjà si c'est vraiment ça. Parce que j'ai vu vite fait, mais je crois que c'est bien ça. Mais on va rester quelques jours dans la voie ferrée détruite. Parce qu'il y a des endroits qui sont vachement intéressants que je voudrais fouiller. Et après, on peut aller sur la nouvelle zone. Je pense qu'on va faire ça. Je sais pas à quel épisode on est. On est encore en dessous des 20. Des 20 épisodes, donc ça, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ouais, on va esquiver l'autoroute côtière, tout ça, on va pas le faire. Pas pour le moment. Et une fois qu'on aura fini avec la nouvelle zone, on repartira au lac Mystère, on ira genre au Canyon des Cendres pour le sac. Et après à d'autres endroits pour se balader. Ouais, on va faire ça. Faut que je... Antiseptique, faut que je le pose. Il y a plein de trucs, faut que je pose aussi. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Je vais un peu passer le temps pour qu'on puisse faire le pantalon. Et après, on se casse. Et on ira donc à l'autoroute. Pas à l'autoroute, à la voie ferrée. Voilà, à la voie ferrée. Y a aussi une chose que j'aurais bien voulu, c'est un manteau. Mais bon, pas... C'est vrai que les manteaux... ça pourrait être bien d'avoir un manteau au moins.
Genre en loup, ce serait bien. Je sais pas, je vais voir. Si j'attends pour faire un manteau en loup et tout ça, en fait, ça va prendre beaucoup, beaucoup de jours. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je pense qu'on devrait avancer quand même. On va voir. Je sais pas. Je vérifierai. On verra. Mais de toute façon, au pire, je vous montrerai tout le temps ce que je fais. Hors épisode. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.